introduire à l'analyse en histoire des arts de la bande dessinée de Jacques Tardy, c'était La guerre des tranchées. Voici une brève présentation du contexte artistique. Une histoire de la bande dessinée au XXe siècle. Cette brève histoire a été prise sur le site de scribium.com, Petite histoire de la BD du XIXe à nos jours. Introduction. Ce n'est véritablement qu'au tout début du XXe siècle que la bande dessinée commence à affirmer des contours plus nets. À partir de 1905, par exemple, les aventures de Bécassine, de Pinchon, paraissent dans le magazine La Semaine de Suzette. Un petit commentaire sur Bécassine. C'était initialement une planche qui avait été prévue pour boucher une page blanche en février 1905. Et puis le succès de cette planche a fait que Bécassine a continué. Sur le personnage de Bécassine, c'est une petite Bretonne qui est partie de son village pour se placer, comme on disait, à Paris, comme domestique. Elle est naïve et étourdie, avec un visage rond et souvent sa bouche même n'est pas dessinée. Elle vit différentes aventures comme Bécassine pendant la guerre, au moment de 14-18. Une autre bande dessinée très célèbre du début du siècle, c'est Little Nemo de Winsor McCay, comme Little Nemo in Slumberland. Nemo, qui signifie personne en latin, est un petit garçon timide, sage et rêveur, ressemblant à tous les garçons de son âge, c'est-à-dire environ 6 ans. Une nuit, Morphée, le roi du monde onirique, monde des rêves, appelé Slumberland, l'invite officiellement dans son royaume par l'intermédiaire d'un serviteur, dans le but de le présenter à sa fille, la princesse. Chaque nuit, lorsque Nemo s'endormira, il entrera dans le monde fantastique des rêves. On suit alors les aventures mouvementées du jeune dormeur dans un monde au décor insolite. De 1920 à 1950, la naissance d'un art populaire. Dès 1929, les aventures de Tintin paraissent dans le supplément périodique destiné aux enfants du journal belge Le XXe siècle. Georges Rémy, dit Hergé, reprend le style de la ligne claire, déjà présent dans les œuvres d'un autre artiste, Alain Saint-Augan, auteur de La famille illico et de Zig et Puce. Mais il ajoute à ce style l'art du dépouillement du récit, ainsi qu'un sens aigu de l'ellipse, apportant un dynamisme remarquable à ses récits. Il est le premier auteur européen à s'inspirer de la littérature classique et de faire un véritable travail de recherche documentaire. Dans les années 1930 à 1950, de nombreux magazines destinés à la jeunesse font leur apparition et deviennent les supports de la bande dessinée. On peut citer entre autres le journal de Mickey, Pilote, le journal de Spirou, Vaillant, qui s'appellera en 1969 Pif Gadget. Aux États-Unis, les comic strips se multiplient dans les journaux. Peanuts de Schultz, Calvin et Hobbes de Watterson, etc. Et les comics books mettant en scène des super-héros comme Superman, Batman et le fantôme font recette. Dans le même temps, la BD franco-belge s'affirme comme étant plus classique dans ses thèmes et son traitement. Parmi les plus célèbres, on peut citer Tintin de Hergé, Astérix de Goscinny, Achille Talon de Greg, Lucky Luke de Maurice et Alix de Jacques Martin. Pour s'arrêter une minute sur une des moins connues peut-être, c'est Alix. On peut dire les choses suivantes. Ce sont des intrigues donc, qui se déroulent à l'époque de Jules César, principalement à Rome, en Gaule, en Mésopotamie et en Asie mineure. C'est également un dessin dans le style de la ligne claire. L'auteur en est Jacques Martin, qui a longtemps assumé seul les scénarios et les dessins de la série. Pour citer un des épisodes célèbres, Alix l'Intrépide ou le Sphinx d'Or. Pour les personnages, en dehors d'Alix, qui est le héros de la série, un jeune homme d'origine gauloise, qui devient le fils adoptif d'un riche Romain, Honorius Galla, ami de César, il est caractérisé par son courage exemplaire et le tiraillement entre son origine gauloise et son adoption romaine. Un de ses amis, c'est Énaque, un garçon de 14 ans. 1950-1990, les années de la maturité du 9e art. Mais la bande dessinée inquiète et une loi du 16 juillet 1946 exerce une véritable censure contre les publications de toute nature pouvant représenter un danger pour la jeunesse. Cette loi est toujours en vigueur. Les éditeurs alors auto-censurent leurs auteurs et procèdent à des coupes allant du simple recadrage pour cacher un élément
à la retouche entière de certaines cases. Malgré ce contexte, la BD, stimulée par ses contraintes, se prépare à prendre son véritable envol commercial. Les séries apparues dans les périodiques sont, grâce à leur succès, éditées en albums et connaissent une vraie explosion des ventes dans les années 70-80. Cette date est aussi celle de la fin des magazines jeunesse qui auront fait la popularité de la bande dessinée. D'autres magazines, s'adressant cette fois aux adultes, comme Harakiri, Métal hurlant ou Fluide glacial, prennent la relève avec un peu moins de succès. Peinant à sortir de ces clichés, la bande dessinée devra attendre encore quelques décennies pour être perçue comme une forme littéraire à part entière. Ce virage s'amorce discrètement dans les années 80. C'est dans ces années que la BD atteint une maturité nouvelle sous la forme du roman graphique. Mêlant créativité picturale et narrative, ce nouveau genre confirme avec talent le désir de la BD d'élargir un lectorat, hier passionné de magazines pour enfants, aujourd'hui devenu adulte. Les auteurs qui illustrent ce renouveau sont maintenant considérés comme des classiques. L'Américain Will Eisner avec Un bail pour Dieu, l'Italien Hugo Pratt, par exemple, avec La ballade de la mer salée, le Français Tardi avec Ici même, pour n'en citer que quelques-uns. On s'arrête une minute sur La ballade de la mer salée. C'est la première histoire de la saga de Corto Maltese, donc de bédéiste Hugo Pratt, publié de juillet 67 à février 69 dans un mensuel italien. Le récit se déroule en Mélanésie de novembre 1913 à janvier 1915. Il met en scène cet album l'errance d'île en île de Rasputin, qui est un pirate, Corto Maltese, sur un fond de piraterie, de déclenchement de la Première Guerre mondiale et d'étranges mœurs indigènes. Pour présenter Corto Maltese, on peut dire qu'il est né sur l'île de Malte en 1887, que c'est un capitaine britannique de la marine marchande et un grand aventurier, qui réside à Antigua ou à Hong Kong. C'est une sorte de anti-héros, solitaire, individualiste, égocentrique et ironique. Ses aventures le mènent dans différents lieux exotiques du monde, où il est souvent spectateur d'événements historiques du début du XXe siècle. 1990-2010, les années de la consécration. Pour conclure le paragraphe précédent, les années 90 voient arriver notoriété et réussite commerciale, même si la bande dessinée reste tenue à distance par les professionnels de la littérature et des médias. Les lecteurs se chargent de la publicité et les ventre-cœurs se multiplient. Par exemple, les séries L'Enfeuse de Troie, L'Argo Winch, Blake et Mortimer ou encore Titeuf, qui se vendent à près de 500 000 exemplaires par titre, chiffre difficilement atteint par d'autres secteurs éditoriaux. Les années de consécration, depuis les années 1990. Alors que la première moitié du XXe siècle a été pour la bande dessinée le temps de la naissance et la seconde moitié celle de la reconnaissance par ses lecteurs, le XXIe siècle s'annonce comme celui de la légitimation, même s'il lui reste à trancher de nombreux débats, comme le statut du coloriste, l'arrivée du modèle des studios questionnant le droit à la propriété intellectuelle. La bande dessinée doit également, comme les autres formes d'art, s'adapter à la révolution du numérique, qui pose comme question le droit des auteurs, la place du libraire, la question du piratage, la création d'une plateforme unique de distribution numérique pour contrer le géant Google, l'harmonisation entre contenu et support. Longtemps boudée par les autres acteurs de la vie artistique, elle attire aujourd'hui à elle les arts académiques, comme le cinéma, qui s'appuie sur ses succès pour remplir les salles obscures, par exemple avec Astérix, d'après Goscinny et Uderzo, ou Les Beaux Gosses, d'après Riyad Satouf, de Riyad Satouf, L'Argo Winch, de Van Hamme, et bien d'autres encore. La littérature classique fait l'objet maintenant de nombreuses adaptations, par exemple l'éditeur Delcourt, dans la collection Ex Libris, adapte des œuvres de la littérature. Le théâtre met en scène des personnages de la bande dessinée, comme les Bidochons de Binet, sur les scènes parisiennes. Quand ce n'est pas plus prosaïquement la publicité qui fait appel à elle, ayant saisi toute la force de ce médium. En conclusion, après plus d'une centaine d'années, lors desquelles la bande dessinée a été largement identifiée et appréciée selon ses origines géographiques de création, elle n'a de cesse aujourd'hui de brouiller les pistes. Le manga, le style franco-belge, le comics se rapprochent pour se nourrir de leurs différences. Des formes hybrides apparaissent, comme le manfra, associant le manga et le franco-belge. Les révolutions numériques font aussi évoluer la création. Une autre évolution récente et sensible, les circuits de diffusion et les auteurs comptent de plus en plus de femmes dessinatrices. Un succès toujours croissant, signe des temps ou preuve d'un insolent opportunisme, la bande dessinée ne répond pas à cette question. En art polymorphe
Par excellence, elle s'adapte avec art au mouvement qui la fait vivre.